Représenté par la base de la pyramide, et puis le sommet qui est de plus en plus effilé et qui va vers le ciel et qui témoigne justement, puisque nous sommes un peuple de croyants, qui témoigne du fait que lorsque l'âme se libère du corps, il s'élève vers le ciel. Donc c'est toutes ces représentations-là qui traduisent notre besoin de fixer une stèle quelque part pour honorer la mémoire de tous ces morts et de tous ces gens-là qui sont dévoués pour la patrie. Et c'est justement pour ça qu'il est appelé tout simplement le monument aux dévoués. Si vous le permettez, messieurs, vous qui êtes sur le plateau et vous, chers téléspectateurs, nous allons revenir sur le discours prononcé par le chef de l'État, Patrice Talon, à l'occasion donc, de l'inauguration de la statue équestre donc, du cavalier Martial Bioguera. C'est un discours qui fouette quand même notre fierté nationale. On va réécouter une fois encore parce que le message, il est très profond. La caricature que nous faisons de nous-mêmes, ce que nous chantons quotidiennement et transmettons de génération en génération, c'est ce qui est négatif. Ce qui relève des travers humains, de manière générale, mais que nous attribuons exclusivement à nous-mêmes. Au point de les baptiser parfois de béninoiserie. Mes chers compatriotes, il est temps de nous débarrasser de ce faux complexe qui nous isole, nous divise, nous fait avoir peur les uns des autres, nous inhibe
et nourrit notre sous-développement. Il est temps de nous découvrir nous-mêmes, de découvrir et de valoriser ce qui est grand en nous. Regarder dans la glace, c'est à reconnaître nos torts. Il a parlé de ce négativisme, malheureusement, qui caractérise bien souvent le peuple béninois. Décrié, c'est un négativisme décrié, battu en brèche par le chef de l'État, Patrice Talon, ce qu'on a fini par qualifier de béninoiserie. Il faudrait forcément et sans doute qu'on puisse renverser la tendance pour que béninoiserie rime désormais avec bravoure, rime désormais avec vertu, rime sans nul doute désormais avec courage, avec abnégation, avec passion. Exactement, et rime aussi avec intégrité. Le pays des hommes intègres, ce n'est pas que le Burkina Faso, c'est également le Bénin. Et quand on voit déjà l'intégrité prouvée par le feu guerrier, paix à son âme, Bio Guerra, on voit que le Bénin est également ce peuple. Et je parlais tout à l'heure de ce citoyen-là qui avait vu des millions et qui a rendu. Et vous voyez, cette histoire a fait un peu le buzz dans le temps, mais ça a un peu disparu. Vous voyez, parce que déjà dans nos subconscients, parce que, oui, par effet de cette ignorance, parce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas, on s'était dit déjà que cette béninoiserie était négative et on a oublié petit à petit cette histoire de donner 5 millions. Donc, le chef de l'État a sonné en réalité cette révolution-là pour qu'on renverse en réalité cette tendance, que désormais, quand on parle de béninoiserie, ce n'est plus les crises de valeurs, ce n'est plus les crises de mentalité, mais c'est aussi
c'est du courage, c'est de la morale et de l'éthique. Il est temps, dit-il, de nous débarrasser de ce faux complexe. Le message, il est si fort que j'ai bien envie de dire, professeur Patrick Efibolet, que c'est un manifeste de la vertu. C'est un hymne à la probité auquel nous convie Patrice Talon. Oui, effectivement, pour faire de grandes nations, il faut de grands hommes. Il faut de grands discours, il faut de grandes invitations à la valeur, à la prise de conscience de la valeur, à la production de la valeur. Et je pense que ce discours, effectivement, nous invite les jeunes d'aujourd'hui, et les adultes en situation de travail, les jeunes étudiants, à s'investir pour produire de la valeur, pour qu'on ait des gens, des citoyens aussi grands que ceux qu'on célèbre aujourd'hui, pour que demain, ceux qui vont s'asseoir sur le siège du président de la République d'aujourd'hui puissent trouver des raisons de les célébrer pour la continuité de la nation béninoise. Et je suis heureux d'être témoin de ce moment et j'espère qu'effectivement que cela produit ce que le président de la République est en train de voir venir. Il en est convaincu, et par modestie, comme je disais tout à l'heure, il appelle de ses voeux, mais et j'espère que ça va se produire pour le bien de nous tous. Mm-hmm. Justement. Oui, c'est juste pour ajouter quelque chose. On fait trop de l'auto-flagellation. Absolument. Même à travers les chansons, parce que moi, bon, je me réfère toujours à mon espace de prédilection qu'est l'art. Lorsque vous entendez les mots chanteurs, dans leurs textes, d'une façon générale, bon, à part l'amour qui est célébré et la femme qui est célébrée, ils ne parlent que de mauvaises choses concernant l'homme. L'homme est mauvais, l'homme, etc. Il y a même eu une chanson qui dit que celui qui a toujours fait des malfaisances et qu'un jour il décide de faire du bien, on va refuser. c'est incroyable. il n'y a pas de possibilité de rédemption pour quelqu'un qui a l'habitude de faire du mal et qui décide de faire du bien. Non, ce sont des choses à bannir. Mm-hmm. Et nos chanteurs sont des vecteurs de transmission de bonnes pratiques. Il faut que dans les textes, non seulement on raconte des histoires qui traversent les problématiques qui traversent notre société, mais qu'on positive un peu, mm-hmm. qu'on dise du bien de l'homme, qu'on dise du bien. On dit béton, comment on dit ça Béthoda. Oui, bon, Béthoda, mais il y a aussi des gens qui sont de bonne moralité, qui font les choses bien. Le chef de l'État, donc, qui nous invite, on va le dire ainsi, à dépasser nos tares et à laisser un peu notre auto-flagellation permanente et dépasser nos faiblesses pour cultiver notre grandeur. Allez, grandeur incarnée par ces héros et cette Amazone majestueuse dont, bien évidemment, le monument vient d'être dévoilé. Nous allons suivre à nouveau, si vous permettez, justement, dans la lignée de ce qu'il a pu faire à la place Bioguera, devant la statue Bioguera. Il a répété le même geste devant la statue de l'Amazone et son discours, là aussi, et là encore, j'ai envie de dire. Thank you.
Le deuxième sexe, c'est le premier sexe. J'ai envie de dire, Florent, quoi vous êtes-il? Par l'importance de son investissement économique. Parce que, bon, c'est vrai qu'elles ne sont pas en première ligne, mais à la maison, dans les marchés, sur les routes, elles sont actives, on les voit s'échiner du matin au soir. Bref, c'est sans les femmes, on se demanderait ce que la société peut devenir. L'éducation, la prise en main des enfants, ça paraît classique ce qu'on dit, mais c'est toute un échafaudage assez extraordinaire qu'il y a derrière. Et donc il faut comprendre l'émotion du président de la République à travers justement tout cet historique qui pèse sur la femme et qui doit nous amener justement à leur rendre tous les jours hommage. Et oui, vous avez envie d'ajouter quelque chose? Je pense qu'il faut ajouter. Aujourd'hui, on met en avant la femme. Mais dans les sociétés africaines traditionnelles, les femmes étaient à l'honneur. Au premier plan déjà. Étaient au premier plan. Étaient là à occuper les rôles pertinents. Dans nos cercles secrets et en Afrique, on sait. Même si parfois des cercles supposés être d'hommes, le pouvoir est tenu par la femme. Donc ça aussi, il ne faut pas oublier, que ce soit le Guélédé, que ce soit le Egungun, que ce soit tous ces cercles secrets, c'est aussi la femme. La femme est derrière, même si on dit à l'extérieur que c'est interdit aux femmes, mais c'est encore la femme qui est derrière. Je crois qu'il ne faudrait pas voir ça seulement de ce côté-là, parce que lorsqu'on on analyse et qu'on voit ça de très près, on se rend compte qu'effectivement, le rôle de ces femmes-là, ces rôles sont vraiment aléatoires. Et surtout, lorsqu'on parle de le couvent, lorsqu'on parle de ces choses-là très ésotériques, eh bien, il faut savoir qu'elles n'ont ces responsabilités que lorsque elles ont la ménopause. Pas de femmes qui sont sexuellement actives, etc. Non, on ne les voit pas au premier plan. Pas de jeunes femmes, je veux dire. On ne les voit pas au premier plan. C'est exactement à cause de la perception qu'on a du corps de l'homme. Et effectivement, dans certains cercles et dans toutes les cultures, la preuve, l'Occident n'est pas encore arrivé à permettre à la femme d'accéder aux fonctions sacerdotales. La modernité. Donc c'est aussi ça. Oui, la modernité à laquelle on aspire, c'est que les femmes, que ce soit la jeune fille, la mère de famille, etc., elles puissent aspirer à des responsabilités autant que les hommes. Femmes sexuellement actives ou non, on veut qu'elles soient à l'avant-garde. Et c'est en cela, moi, je notifie. Oui, allez-y. Oui, c'est en cela, moi, je notifie l'impact psychologique de ce monument-là sur, en réalité, le renforcement du capital humain, surtout féminin, ici au Bénin. Parce que, déjà, d'après les théories de Schultz et Potts, on remarque déjà que, pour booster le développement économique, il faut une certaine qualité d'homme. Et si, dans la même société, nous avons des hommes et des femmes qui sont suffisamment mentalement forts, aguerris des valeurs, de ces valeurs qui leur permettent, en fait, de se mettre en tant qu'actrice du développement dans les facteurs de développement et dans tout le processus de production, nous allons atteindre un développement réel. Parce que le développement réel, c'est quoi? C'est la recherche permanente du bien-être social, politique, économique, numérique, etc. Donc, ce monument, sincèrement parlant, c'est un agent sous-estimé, en réalité, de socialisation qui va renforcer le capital humain à travers déjà le renforcement psychologique de nos femmes qui, malheureusement, à cause de la crise morale, c'est-à-dire les déviances comportementales qu'on observe un peu dans la société, les femmes se sont perdues en quelque sorte et ne se sont plus, en tout cas, certaines femmes ne se sont plus reconnues, n'ont plus reconnu la valeur de qui elles étaient. Mmh. Très bien. Merci Claude Azalou-Tingbé pour ce développement assez brillant quand même.
On va revenir justement à la dernière, au dernier monument pardon, qui sera dévoilé tout à l'heure par le chef de l'État, inauguré, j'allais dire par le chef de l'État Patrice Talon. C'est bien sûr le monument au dévoué, cet obélisque en plein cœur, en plein ventre donc, des jardins de Mathieu. Mathieu Kérékou, justement, professeur, on en parlait il y a peu, ancien président de la République. Il a exercé le pouvoir pendant près de trois décennies. Il a évidemment été une figure majeure dans notre histoire politique, que ce soit la révolution, que ce soit la démocratie. Il a été en amont et en aval. Et c'est tout à son honneur, c'est une reconnaissance plutôt que l'on installe ce monument au dévoué de la nation dans l'espace qui a été celui où il a vécu. Et je pense que, puisqu'il est l'un, vous avez rappelé tout à l'heure, il est resté président de 1972 à 90 et puis de 96 à 2006. Donc il a une grande longévité politique. Et j'espère que ce monument, effectivement, rend hommage. Je sais qu'il rend hommage à cette longévité politique et que les Béninois vont s'inspirer aussi de son souci de cohésion, parce que on l'appelait l'homme de paix, n'est-ce pas? Puisque c'est grâce à lui que le Bénin a inventé cette révolution sans les armes. La conférence, l'historique conférence des forces vives de la nation de février 90. Oui. C'est un hommage rendu également à quelqu'un. Voudrions prier nos distingués invités. L'écriture de bien vouloir regagner leur siège respectif en raison de l'imminence. Ériger l'entrée sur cette majestueuse place. Monsieur le Président de la République. Qui a fait ériger la statue de Kaba. C'est lui qui a fait ériger la statue de martyr. C'est lui qui a fait ériger la statue de l'étoile rouge. Vous voyez, rendre hommage à quelqu'un qui a fait, qui a écrit de manière assez... On n'oubliez pas les statues idéologiques aussi. Mais il aurait pu ne pas le faire. Oui, il aurait pu ne pas le faire. Il y a la place Lénine, il y a la place Lénine, etc. C'est vrai que ça traduit sa volonté idéologique de pouvoir laisser quelque chose à la postérité, mais également c'est son ouverture, parce que ce n'est pas tous les présidents qui ont créé, qui ont fait ériger des statues. Et je pense que ça entre vraiment, il faudrait que ça entre dans les habitudes, que ici et là on crée des monuments à la gloire de nos personnages. Il y a énormément de personnages historiques par rapport auxquels il faudrait faire référence lorsqu'il s'agit de certains domaines particuliers de notre vie politique, culturelle et artistique. À l'annonce de l'entrée du président de la République, la connotation un peu idéologique, le sens que vous donnez à idéologie, parce que tous les monuments sont idéologiques. Saluer son arrivée. Il y a une idéologie derrière tout monument qu'on érige, quel que soit l'endroit où il se trouve. Donc, oui, au temps de Kérékou, c'était le marxisme, et il s'est inspiré du marxisme. Le marxisme a été la trame de ces 17 années de gouvernance. Oui, il est rentré aussi dans la phase démocratique, du Bénin. Donc je crois que cette dimension idéologique vue sous cet angle ne mérite pas qu'on le souligne. À mon sens, en fait, c'est un parti pris. C'est un avis, c'est un parti pris. C'est un parti pris. Et vous en avez tout à fait le droit. Donc, on a le droit de ne pas être d'accord. Ouais. Absolument. Donc, allez-y, Claude Azalotingbe. Je pense que sur quoi on doit beaucoup plus se focaliser, c'est cette identité nationale, cette identité culturelle nationale que le président Kérékou avait déjà souhaité à travers son programme d'alphabétisation. Donc, c'est d'abord un hommage que le président Patrice Talon a rendu à cet homme qui avait existé, le président Mathieu Kérékou. Et je vois aussi par là la volonté du chef de l'État, M. Patrice Talon, de refaire et d'aller mieux, encore mieux, dans cette réappropriation, dans cette constitution de l'identité nationale culturelle. Et moi, je souhaiterais sincèrement que
comme nous sommes à l'ère déjà de la réformation de notre système éducatif, qu'on y mette une matière comme la culture, à part, par exemple, nos langues nationales dont on va faire la promotion. Parce que vous savez, la langue, c'est la langue qui permet en réalité le décollage intellectuel d'un humain. C'est la langue qui permet à un humain de verbaliser sa pensée. Et donc, si le président Patrice Talon pouvait, insérer l'intégration de nos langues maternelles, parce qu'il l'a déjà fait, et les gens ont composé comme, dans les langues maternelles, comme le président de la République. Moi, je souhaiterais que déjà, à partir de ça, qu'on puisse intégrer les langues comme également vecteur du savoir. Très bien. Au même titre que le français. Et on m'annonce, et on le voit d'ailleurs à l'image, que le président Patrice Talon arrive au jardin de Mathieu, il vient de descendre de son véhicule. Il a procédé au même exercice qui a été fait tout à l'heure donc, sur les deux précédents sites, à savoir donc, la statue de Bioguera, mais aussi la place de l'Amazone, toujours en compagnie de son épouse, la première dame Claudine Talon, le chef de l'État qui va se diriger justement donc, à la tribune officielle. Et on voit à cette très belle image du jardin de Mathieu avec les triangles qui sont bien tracés, cette verdure, cette véritable poésie de la nature au milieu duquel flotte donc le drapeau tricolore, le vert, le jaune et le rouge, battu par le vent, mais toujours arrimé au mât. On va suivre, bien évidemment, le directeur du protocole d'État. Monsieur le président de la République, madame la première dame de la République du Bénin, madame la vice-présidente de la République, je vous prie de vous asseoir. Chancelière de l'Ordre national du Bénin, mesdames et messieurs les présidents des institutions de la République, Monsieur le Président de la République, Messieurs les anciens présidents de la République, Madame la Première Dame de la République du Bénin, très éminente personnalité, membre des institutions de la République, Madame la Vice-Présidente de la République, grande chancelière de l'Ordre national du Bénin, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les invités spéciaux, Messieurs les anciens présidents de la République, Monsieur le Général de Brigade, très éminente personnalité, chef d'État-major général des forces armées béninoises, Messieurs les officiers les généraux et officiers supérieurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, membres du haut commandement militaire, Mesdames et Messieurs les invités spéciaux, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique accrédités au Bénin, chef d'état-major général des forces armées béninoises, tête couronnée, majestés et rois, Messieurs les officiers généraux, distingués invités, et officiers supérieurs, Mesdames et Messieurs, membres du haut commandement militaire, avec l'inauguration du monument aux dévoués des jardins de Mathieu, les ambassadeurs, c'est une nouvelle page de notre histoire commune qui s'écrit. La cérémonie qui consacre la solidarité du moment présent sera marquée par l'allocution de M. le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. S'en suivront le dévoilement de l'épigraphe par le président de la République dans un cérémonial militaire rigoureusement séquencé, suivi de son adresse de courtoisie à l'assistance. Très distingués invités, mesdames et messieurs, il m'échoit à présent l'honneur d'inviter monsieur le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts à prendre la parole pour son intervention. Merci. Jean-Michel Abimbola, qui va prononcer une fois encore son troisième discours de la matinée. Bien sûr, c'est le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Et c'est justement de son département ministériel, que c'est son département ministériel qui a piloté tous ces projets qui visent à révéler davantage le Bénin culturel, le Bénin qui se veut gagnant, le Bénin qui veut se révéler au monde. On va écouter attentivement son discours, on revient juste après. Monsieur le Président de la République, Madame Claudine Talon, Première Dame du Bénin, Madame la Vice-Présidente de la République, Messieurs les anciens Présidents de la République, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, ainsi que les représentants des organisations internationales, honorables députés à l'Assemblée nationale, messieurs les officiers supérieurs, membres du haut commandement militaire, mesdames et messieurs les invités spéciaux, majestés,
têtes couronnées et responsables religieux, mesdames et messieurs de la presse, distingués invités en vos titres, rangs et qualités, mesdames et messieurs, l'œuvre de restitution de notre histoire commune nous oblige à réinterroger la pertinence de la perpétuation du rituel de dépôt de gerbes sur les sites dénommés monuments aux morts. Ces monuments aux morts, espaces mémoriels dédiés aux citoyens disparus sur le champ d'honneur, ont toujours reçu chez nous au Bénin les hommages solennels des responsables politiques, même au plus haut sommet de l'État. À l'occasion de la célébration de la fête nationale le 1er août, ces lieux deviennent le point d'animation et de focalisation de l'étiquette républicaine. Ils constituent, par la cérémonie qu'ils abritent, le point de départ d'un ensemble de rites liés aux charges du protocole d'État. Cette habitude est issue d'une longue tradition transmise par le colonisateur français qui, après la conquête des territoires du Domaine en 1894 et le rattachement de ceux-ci aux régions du Nord, a créé la colonie du Dahomey. Le colonisateur a donc érigé dans les blocos de Cotonou un espace qui servit de garnison à l'armée française. Un monument élevé, je cite, à la mémoire des Français tombés à l'ennemi. Il s'agit des soldats français morts à l'occasion de la campagne militaire contre le royaume du Domaine. La commémoration autour de ce monument va se perpétuer après la Première Guerre mondiale de 14-18, puis la deuxième de 39-45. L'épitaphe précisément, inscrite sur le monument, a connu une modification pour devenir, je cite, « aux enfants du pays morts pour la France ». Étaient ainsi valorisés, sans distinction, les citoyens français, les tirailleurs sénégalais d'origine dahoméenne, portés disparus ou tombés les armes à la main lors de la Première Guerre mondiale. Après l'indépendance survenue en 1960, une réécriture s'est imposée. À la place de ce texte a été gravé un nouveau, je cite, « aux enfants du Dahomey morts pour la patrie ». En 1975, c'est-à-dire 15 ans après l'indépendance, notre pays changeait de nom. Toutefois, l'adoption du nom Bénin n'a pas entraîné une grande modification de l'épitaphe, puisque seul le nom Dahomey a été remplacé par celui du Bénin, je cite, « aux enfants du Bénin morts pour la patrie ». Ce rituel effectué chaque année, en ce lieu même à la faveur de la commémoration de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale, semble ainsi établir, au fil des années, une confusion dans l'imaginaire collectif. En se réappropriant ces monuments, notre pays n'a pas suffisamment recherché dans sa mémoire des éléments narratifs qui font de ces lieux des espaces retraçant le combat de ses propres fils tombés au champ d'honneur. Si ces stèles ont été créées à la gloire de l'occupant et que par la suite on y a associé les citoyens dahoméens puis béninois, elles n'intègrent pas la totalité des hommes et femmes disparus dans les différents combats qui furent les leurs pour défendre le pays ou les entités politiques dans lesquelles ils avaient évolué. Le statut de pays souverain nous amène à circonscrire désormais ce rituel d'hommage aux morts, à ceux qui ont mené le combat pour l'intégrité et la prospérité de la nation que nous constituons depuis plus de 60 ans. La création du monument aux dévoués vient réparer cette anomalie de l'histoire. Le monument est réalisé sur le site des Jardins de Mathieu. Il se distingue par sa forme haute et allongée. C'est un obélisque de hauteur totale hors socle de 15 mètres
et pesant 17 tonnes. Il est surmonté d'un pyramidion recouvert d'une feuille couleur or. Il est réalisé en structure métallique, en acier galvanisé, avec un revêtement en pierre de granit noir de 3 cm d'épaisseur et repose sur un socle enterré en béton armé, lui servant de fondation. Autant la base de l'édifice symbolise l'ancrage des morts à la terre, autant sa verticalité et sa pointe dorée représentent l'âme de ces défunts qui s'élèvent vers le ciel avec éclat. La conception et la construction du monument aux dévoués visent ainsi à commémorer la mémoire des soldats, des héros, des citoyens qui se sont particulièrement dévoués à la cause nationale dans un cadre dédié qui nous préserve de toute confusion. Ce monument constitue un élément du dispositif de l'aménagement paysager conçu pour offrir à la ville de Cotonou un écosystème de valorisation des espaces naturels. Il s'intègre au grand parc vert et de détente, les jardins de Mathieu, qui offre une promenade de plein air et un écrin de verdure dans la ville de Cotonou. Implanté au cœur de cet espace, le monument aux dévoués a pour vocation d'incarner la mémoire de l'ensemble des filles et fils du pays qui se sont dévoués dans l'intérêt de la République. Il remonte à l'ère des royaumes, traverse la période coloniale et, dans la continuité de l'évolution du pays, réunit tous les combattants de l'indépendance, poursuit le ratissage jusqu'à la période actuelle. C'est une réappropriation de l'histoire dans la mesure où elle permet d'unir dans un même creuset la diversité des origines et la multiplicité des exploits dans le marqueur qu'est la nation. Les grandes nations du monde se sont bâties grâce à ce référent à la fois identitaire et patrimonial. Le monument aux dévoués se veut à la fois le déclencheur et l'amplificateur de cette mémoire remise à l'endroit. Les Béninois tiennent là un joyau dans tous les sens du terme. Ils se doivent de le faire rayonner en se l'appropriant pour que jamais ne s'éteigne la flamme de la transmission. Gloire aux dévoués. Je vous remercie. Le propos donc du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, à sa suite, il y aura sans doute le chef de l'État pour son mot. Très distingués invités, mesdames et messieurs, j'ai à nouveau l'immense privilège d'inviter très respectueusement Monsieur le Président de la République à procéder au dévoilement de l'épigraphe du monument aux dévoués des jardins de Mathieu. Monsieur le Président de la République, merci de vous lever à cette fin. Le chef de l'État, donc, sollicité pour dévoiler l'épigraphe donc, de ce monument aux dévoués, à toutes ces personnes qui se battent au quotidien ou qui se sont battues pour que le Bénin vive au quotidien. Et le chef de l'État, dans sa démarche altière, va s'avancer donc au pied du monument pour dévoiler. On a pu le remarquer à plusieurs reprises que ce sont généralement... chef de l'État donc, qui dévoile l'épigraphe en mémoire des enfants du Bénin dévoués à la patrie. Et le chef de l'État qui s'incline devant la mémoire de tous ces enfants du Bénin. De lire au fronton de ce monument en mémoire des enfants du Bénin dévoués à la patrie. Merci. Thank you.
Et le chef de l'État, donc, qui se retire pour aller sans doute prononcer son mot devant l'assistance. Monsieur le Président, Nicéphore Dieudonné Soglo, Madame la Vice-Présidente de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République, honorables députés, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs représentants le corps diplomatique, chers invités, Madame Claudine Talon, ma chère épouse, merci à tous d'honorer de votre présence cette cérémonie de translation des reliques immatérielles de nos héros du monument aux morts de Plakodji à ici, au jardin de Mathieu. La présente cérémonie, plus que l'inauguration de ce monument, constitue une étape majeure dans la vie de notre pays parce qu'il s'agit de la translation, du transfert des reliques immatérielles de nos héros de l'ancien monument aux morts situé à Plakodji à ici, au jardin de Mathieu, en ce jour. Mes chers aînés et chers compatriotes, pendant plus de 60 ans, nous avons rendu hommage à nos héros à Plakodji, au pied d'un monument érigé par l'envahisseur à la gloire de ses soldats qui ont décimé les nôtres. En réalité, ce monument aux morts de Plakodji ne nous concerne pas. Il nous a plutôt toujours défié, ravivé nos peines, et nous n'avons pas à nous consoler de ce qu'il serait aussi celui des combattants de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Il est chronologiquement, surtout et avant tout, le monument dédié aux soldats déployés par l'envahisseur pour soumettre nos ancêtres. Il date d'avant 1903, parce que je n'ai pas la date exacte de sa construction. Pendant plus de 60 ans, donc, les chefs d'État du Bénin ont, tous les 1er août, à l'occasion de notre fête nationale commémorative de notre indépendance, déposé une gerbe au pied de ce monument-là, dédié aux Français et assimilé mort pour la gloire de la France. En réalité, ces gerbes déposées par nos mains ont plutôt célébré et honoré nos bourreaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le monument aux morts est, dans la conception française, assimilé à la sépulture du soldat inconnu. L'Arc de Triomphe à Paris est un monument à la gloire de la France triomphaliste et de ses soldats morts pour cette cause. En dessous de l'Arc, à Paris donc, il y a une tombe contenant la dépouille d'un soldat français inconnu. Preuve de ce que le monument aux morts français est assimilable
au mausolée du soldat français inconnu, mort pour la France. Telle est la symbolique des monuments aux morts français, et celui de Placodi n'y déroge pas. Mes chers compatriotes, et comme il n'est jamais tard pour réparer et que chaque génération a le devoir d'apporter sa contribution à la construction de la maison commune, nous allons, en cette année 2022, mettre un terme définitif, à une aberration qui n'a que trop duré. Désormais, c'est ici, en ce lieu, empreint de notre histoire politique, au pied de cet obélisque, qu'artistiquement le monde entier a emprunté au génie égyptien, que sera déposée chaque 1er août la gerbe à la mémoire de nos héros. Nos héros, ce sont nos soldats tombés les armes à la main pour la défense de notre pays. Ce sont aussi ceux d'entre nous, béninois, qui se sont particulièrement distingués et se sont dévoués à la cause nationale d'une manière ou d'une autre et qui ne sont plus de ce monde. Ce monument-ci est le leur. Et c'est avec le cœur autrement rempli que je reviendrai ici dans 48 heures pour honorer leur mémoire, déposer la gerbe au nom du peuple béninois tout entier. N'ayons pas honte de ce que nous avons fait 60 ans durant en allant honorer l'envahisseur en confusion avec les nôtres. Nous sommes humains, nous sommes des hommes. C'est persister dans l'erreur qui est une faute. Aujourd'hui, c'est réparer. Et le monument aux morts français restera pour ceux qui ont servi la gloire de la France. Pour les nôtres, ce sera définitivement ici et en tout autre lieu que nous choisirons pour ériger tout monument à la gloire et à l'honneur des nôtres. Je saisis, mes chers compatriotes, avec enthousiasme, cette occasion toute particulière pour souhaiter de ce lieu, le jardin de Mathieu, bonne fête nationale à tous et prier le ciel de nous accorder davantage de grâce. Vive le Bénin, merci. Le discours du chef de l'État, Patrice Talon, dont les termes, mon cher Claude Azalou Tingbé, sont bien choisis. C'est un discours empreint de fierté, beaucoup de fierté, un discours assez vigoureux, un discours qui a de la poigne, bien évidemment, qui traite d'un monument qui ressemble désormais au Béninois, on a envie de dire. Enfin, je vais dire, enfin, 62 ans après, nous avons... Distingués invités, mesdames et messieurs, la présente cérémonie d'inauguration du monument au dévoué des jardins de Mathieu achève une extraordinaire matinée de travail et prépare l'ensemble du peuple béninois à la célébration de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Le protocole d'État remercie toutes les personnalités qui ont activement pris part et souhaite à chacun un excellent week-end. À présent, je voudrais vous prier de vous lever pour saluer
le retrait de Monsieur le Président de la République. Merci. Patrice Talon, donc, qui va se retirer des jardins de Mathieu au pied donc, du monument au dévoué, l'obélisque donc, au dévoué qui vient d'être dévoilé par le chef de l'État, Patrice Talon. Claude Azalou Tingbé, disais-je, c'est un discours qui a de la poigne, c'est un discours, a-t-on envie de dire, presque révolutionnaire. Et on l'a dit en même temps, c'est un discours presque révolutionnaire. Enfin, un monument réellement pour ceux qui se sont battus pour le Bénin. Et ce monument-là n'est pas seulement que pour ceux qui s'étaient battus dans la période des royautés, c'est aussi pour ceux qui se sont battus contre, enfin, dans la période hein, de la colonisation. C'est aussi un discours post-indépendantiste. C'est également un discours actuel. C'est un monument qui permet, qui rend aussi hommage à ces Béninois-là qui jusqu'à aujourd'hui, s'efforcent de donner d'eux-mêmes en réalité pour la nation. Il a tout le temps parlé dans ce discours-là de notre, les nôtres. Vous voyez, c'est que vous preniez en réalité l'approche holiste de Jean-Jacques Rousseau ou l'approche internationaliste symbolique d'origine weberienne. Vous comprenez que, en réalité, le chef de l'État, il est nationaliste et il est en train de construire cette identité véritable-là, en réalité, pour notre société, de manière à ce qu'on puisse reconnaître ce qui est pour nous, de ce qui est pour les autres. Ça permet à un peuple, à un pays, de s'unir davantage, de construire davantage son identité culturelle, de renforcer les liens sociaux que nous avons. Et c'est un discours émouvant, presque révolutionnaire. Et je pense que ce discours qu'il a fait, ce monument-là, qu'il a inauguré, va changer beaucoup de choses dans nos mentalités. Les choses vont désormais changer. Les choses vont changer parce que le développement, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, ce n'est pas s'occidentaliser, mais c'est la recherche permanente en fait du bien-être social. Et le bien-être social passe par l'assimilation et l'appropriation de nos attributs sociaux, de nos valeurs culturelles. C'est un Patrice Talon, donc tout sourire, qui se retire des jardins de Mathieu. Mais avant, une dernière civilité à l'endroit des personnalités présentes, notamment Mathurin Kofi Nago, ancien président de l'Assemblée nationale, Antoine Idji Kolawole, Adrien Houbedi, mais également Bruno Amoussou. C'est un quatuor d'anciens présidents de l'Assemblée nationale du Parlement, bien évidemment. Professeur est juste à côté, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, et cette accolade assez fraternelle entre aînés, on va le dire ainsi, entre aînés et jeunes frères, parce que le président de la République n'a cessé de le rappeler dans son discours à chaque fois, il disait « chers aînés ». C'est donc reconnaître aussi la place et le mérite de ces anciens présidents de la République. Et on voit cet instant assez historique, assez émouvant entre le président Soglo qui chuchote quelques mots à l'oreille du chef de l'État, Patrice Talon, qui justement envoie un dernier salut à toutes ces personnes qui ont effectué le déplacement des jardins de Mathieu pour assister en direct, en live, j'ai envie de dire, à l'inauguration de ce monument au dévoué où va se tenir désormais la cérémonie du dépôt du gerbe à la veille, donc sinon le jour de la célébration des festivités de la session de la souveraineté nationale et internationale. Chef de l'État qui salue les officiels, en l'occurrence le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, Rémi Prosper Moretti. Patrick Effibollet, lorsque vous suivez le discours du chef de l'État, Patrice Talon, c'est un discours qui a totalement, je vais dire, battu en brèche ce qui justement était jusque-là comme un principe sacro-saint, ce qui jusque-là était considéré comme un rituel auquel il faut satisfaire. Aller à la place au monument aux morts de Placody pour aller honorer, je vais dire, ces Béninois qui sont morts pour la patrie. Désormais, cela va se faire dans les jardins de Mathieu, qui est un monument, dit le chef de l'État, et qui ressemble désormais aux Béninois. C'est là l'identité béninoise. C'est un moment de réappropriation mémorielle, de reconstruction mémorielle, de reconstruction de la continuité mémorielle. Puisque, comme il a dit, et vous le dites en filigrane, le monument de Placody avait été initialement érigé pour commémorer la mémoire de gens
qui ont lutté contre nous. Et maintenant, et par ignorance collective, parce que les preuves ne les avions pas, pendant plusieurs années, nous avions continué à célébrer, à se souvenir des notes en allant déposer une gerbe là-bas. Mais maintenant, nous nous rendons compte collectivement que ce monument, cette place-là n'avait pas été érigée initialement pour nous. Et c'est pour ça que le Bénin érige un nouvel espace, crée un nouvel espace pour les citoyens du Bénin qui sont morts pour le Bénin. Donc ce sera maintenant un espace pour commémorer la mémoire des gens, des citoyens valeureux qui sont morts pour le Bénin avant et qui meurent pour le Bénin aujourd'hui, qui travaillent pour le Bénin aujourd'hui. Donc quand on va continuer par commémorer la mémoire de citoyens là, ce sera effectivement une commémoration pour les citoyens du Bénin. Et c'est à l'honneur des pouvoirs publics qui se sont rendus compte de cette erreur mémorielle. Parce que quand vous priez des ancêtres qui ne sont pas les vôtres, vous priez contre vous. Vous ne priez pas pour la continuité ancestrale. Et c'est pour cela que le président de la République a parlé de translation mémorielle, donc de rétablissement d'une continuité mémorielle. Et j'espère que ça va se traduire dans le mieux-être collectif du Bénin que nous construisons ensemble, que nous envisageons pour nos enfants demain. Allez, on va suivre ce reportage que nous propose Rachidat Biomama. Donc, elle était sur place, vous avez pu le voir à travers ses différentes interventions dans ce direct. Elle a réalisé un reportage sur ce monument aux dévoués. Regardez plutôt. Au cœur de la ville de Cotonou, à Ganry, dans la zone portuaire, se dresse désormais un impressionnant monument. Un obélisque coiffé d'un pyramidion en or qui perce le ciel cotonnois et...